rue Georges Perec, quartier de la vie en rose, bâtiment 8, 16e étage, dans un squat, porte 6. Et où 20 ans, jeune immigré, sorti du coué pour venir étudier, se retrouve employé dans le chantier. 21 piges, il obtient les papiers, pige la réalité, se dirige en beauté dans ce système où les périls règnent. Vie de petit boulot et de temps libre, où il se transforme en asset dans son 20 mètres carrés, qu'il partage avec des tox cramés et tarés. Avec des petites bases peu solides, se construit son destin de plus en plus rigide. Les pieds sur terre visent la lune, le bonheur et des poches remplies de thunes. Rentre dans une école et se lance dans les études, puis trouve un taf, fonde une famille, quitte le squat et son ambiance triste et monotone. S'installe dans un petit appart avec sa femme, il a eu un gosse à l'automne. Entre les mêmes murs, les vies peuvent être si différentes. Chacun son lot de joie, son lot de peine, le tout dans l'ignorance des roses qui meurent quand d'autres se déploient. Écoute ces vies parallèles et capte que la vie n'a pas de mode d'emploi. Entre les mêmes murs, les vies peuvent être si différentes. Chacun son lot de joie, son lot de peine, le tout dans l'ignorance des roses qui meurent quand d'autres se déploient. Écoute ces vies parallèles et capte que la vie n'a pas de mode d'emploi. Toujours le même lieu, 15e étage pour 63, Paul l'hérédite, 47 piges, artistes et fans d'édite, mélancoliques et chercheurs, sa porte hésite, car dans ce monde rien n'existe, à part ses œuvres mystiques, le jour et nuit il peint et astique. Pendant son temps où il ne fait rien, se descend un sky au bistrot du coin, en écoutant Edith Piaf qui ne regrette rien, lui cède des verres qu'on lui propose qui ne rejette rien. Un soir où rien n'allait bien, le sang alcoolisé, le cœur brisé, trébuchant à chaque marche, lentement il monte les escaliers. Il arrive au dernier étage, son cœur bat vite, il a peur, sa bouteille de vin dans la main, il pleure, puis se lâche dans le vide. Et pendant sa descente, monte au paradis et ne repense à rien, se met fin et ne regrette rien. Entre les mêmes murs, les vies peuvent être si différentes. Chacun son lot de joie, son lot de peine, le tout dans l'ignorance des roses qui meurent quand d'autres se déploient. Écoute ces vies parallèles et capte que la vie n'a pas de mode d'emploi. Entre les mêmes murs, les vies peuvent être si différentes. Chacun son lot de joie, son lot de peine, le tout dans l'ignorance des roses qui meurent quand d'autres se déploient. Écoute ces vies parallèles et capte que la vie n'a pas de mode d'emploi. Georges Perec, quartier d'avis en rose, même bâtiment, premier étage, porte 4, à Hankin, un mat bridé, jeune dissident birman, déterminé, pour que dans son pays règne la liberté. Attristé par ses injustices et pas en bel état, dans son manteau cache un faux visa et son beretta. Il a quitté la Birmanie, persécuté par Tan Chui, car à Hankin a revendiqué la liberté de penser, mais là-bas c'est insensé. Maintenant il est ici, mais pour manger c'est la croix et la bannière. Il sort dans la rue ventre à terre, par peur que le tyran ait envoyé un tueur pour le faire taire. Mais ce révolutionnaire est courageux, dans peu de temps il essaiera de retrouver sa terre, libérer son peuple de ce tyran. Car avant de partir aux cieux, il veut sortir son pays de cette misère. Entre les mêmes murs, les vies peuvent être si différentes. Chacun son lot de joie, son lot de peine, le tout dans l'ignorance des roses qui meurent quand d'autres se déploient. Écoute ces vies parallèles et capte que la vie n'a pas de mode d'emploi. Entre les mêmes murs, les vies peuvent être si différentes. Chacun son lot de joie, son lot de peine, le tout dans l'ignorance des roses qui meurent quand d'autres se déploient. Écoute ces vies parallèles et capte que la vie n'a pas de mode d'emploi.